Cristiano transféré à la Juventus. Papa, vous êtes foutu aujourd'hui. Cristiano Ronaldo vient de transférer à la Juventus. Ah, le classico va vous gagner. Et on va vous gagner. Et on va vous gagner. Et mamita, et 5 à 0. Et on va gagner. On va gagner. Qu'est-ce que tu crois, fiston? Je suis à la page, moi. Mais il n'y a pas que Ronaldo qui sera transféré. Mais c'est quitte le bazar. Non, c'est toi qui vas quitter ma maison. Je plaisante pas. Ma grand-mère vient te chercher tout à l'heure. Quelle grand-mère? Mais attends, papa, tu m'avais dit qu'elle était morte, non? Ouais, elle est morte pour moi, mais elle est encore en vie pour toi. C'est un débarras, c'est ça? Ouais, peut-être bien que oui. Et mon avis, alors? Il ne compte pas, c'est ça? Et je te rappelle qu'on est en démocratie. Et mon avis compte. Tu as déjà vu les États-Unis demander l'avis des autres pays du monde avant de prendre une décision? Tu as déjà vu Donald Trump demander l'avis du Sénat avant de prendre une décision? Tu as déjà vu Hitler? Ce gars-là, il était mauvais. Tu as déjà vu Hitler attendre l'avis de ses généraux pour bombarder les pays, ça et là? Ça a toujours été comme ça, petit. On impose sa loi. C'est la loi de la nature, le déterminisme naturel. La raison du plus fort. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. Peut-être qu'un jour, toi, petit, quand toi, tu seras fort, tu vas dominer ta progéniture. Si toi n'es pas stérile. Ça va toi? Oui, ça va, ça va. Papa, d'accord, d'accord, j'irai avec grand-mère. J'ai compris. Parce qu'on dit que les grandes-mères gâtent leurs petits-enfants. Mais papa, il y a un contraste. C'est lequel? Tu détestes grand-mère, n'est-ce pas? Oui, je la hais. Je ne la supporte pas. Tu sais qu'un jour, j'ai mis du poison dans sa nourriture. Elle a mangé, elle est pas morte. C'est une sorcière. Mais attends, pourquoi tu veux que j'aille vivre avec elle? Papa, tu me détestes aussi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as fait mal, cousin. Tu as gâché ma jeunesse. Comme un épervier, tu es venu et tu as arraché ma jeunesse. Que dis-je? Mon adolescence. J'étais le plus beau de mon quartier. J'étais fringant. J'étais un bagnon, un Apollon. Toutes les filles ne rêvaient que de moi. Et quand je passais, elles étaient là comme ça, pantoises, les yeux carquillés, comme si elles avaient vu un ange. J'avais 17 ans quand tu es venu au monde. Seulement 17 ans quand tu es venu gâcher ma vie. Un accident que j'aurais dû éviter. Un accident, papa? Je suis le fruit d'un accident. Oui. J'aurais dû prendre le préservatif ce jour-là. C'était un jeudi soir. Il était 19h45 et il a plu. Qui a dit que la pluie était source de bénédiction? Cette pluie est venue avec un peu de malheur. J'avais pas mon parapluie, j'étais pas protégé. Et voilà le résultat. Je suis une erreur, c'est ça? Papa, je vais me suicider. Tu vas te suicider? Mais vas-y! Tu sais qu'en Suisse, le suicide, il est légal! Hein? Ah. Allez, vas-y, je paye ton billet d'avion. Je vais même t'aider à faire ta valise. Il va me suicider. T'es encore là? Eh tiens, tu vas te suicider! Je vais t'aider à te suicider! Non, je suis un expert en aide suicidaire! Non. Je vais te pendre sur le toit de cette maison! Tous les voisins sauront que t'es bien mort! Je vais te suicider, petit! Non, mais... Et quand tu viendras en réincarnation, t'iras faire chier à notre père! Pas moi! Seigneur, en réincarnation, je veux un chiot. Pas ce chien à pan. Viens, Anthony. Anthony, je vais te...